Le film que vous allez voir aujourd'hui explique le test d'effort. C'est un examen que vous allez faire aujourd'hui. Regardez attentivement afin de bien comprendre ce test. Merci et à tout à l'heure. Le test d'effort consiste à marcher sur un tapis ou à pédaler sur un vélo. L'intensité de l'effort augmente progressivement. Votre activité cardiaque est enregistrée continuellement grâce à des électrodes collées sur votre thorax. Vous croisez la poitrine afin de poser les électrodes. Je vais vous poser légèrement afin qu'il y ait un meilleur contact. Votre respiration et votre consommation d'oxygène sont enregistrées continuellement grâce à un masque sur votre face. Voilà, ce système sert à analyser vos gaz de respiration. Il n'envoie pas d'oxygène. Simplement, il sert à l'analyse. La surveillance se poursuit plusieurs minutes après l'arrêt de l'effort. Je ne suis pas essoufflé, je n'arrive plus à respirer. Où est-ce que vous êtes? Montrez-moi vous. Docteur, y a-t-il un risque pour cet examen? Non, les risques sont très peu fréquents. Des malaises, des chutes du tapis, des problèmes articulaires ou musculaires, quelquefois des accélérations du cœur que l'on appelle des troubles du rythme. Les complications graves sont exceptionnelles. Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, arrêt cardiaque, décès. Rassurez-vous, ces complications sont vraiment exceptionnelles. Vous êtes très bien surveillé et nous faisons bien notre travail. Pour votre sécurité, le test ne se déroule qu'en présence du cardiologue, assisté par un personnel compétent formé à la réanimation. La salle d'épreuve d'effort comporte du matériel de réanimation régulièrement contrôlé suivant un protocole très strict selon les normes de la Société française de cardiologie. Ce test est très important pour vous. Il permet de connaître vos capacités actuelles et de détecter une éventuelle anomalie cardiaque. Ce test permet également de déterminer avec précision la manière dont vous allez réaliser votre activité physique au cours de la rééducation que vous allez faire prochainement dans notre centre. À bientôt !